Si tu aimes la chaîne Voix Off for Islam, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner en cliquant ici et sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et tu peux également nous soutenir et nous aider à continuer en participant et en faisant un don du montant de ton choix en cliquant sur le lien en description de la vidéo. من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيدي في كل عامي يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيدي في كل عامي طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده بلغها لي عيد وفي سلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده بلغها لي عيد وفي صفوان بن أمية وعمير بن وهب s'assirent tous deux près de la Kaaba. Ils repensèrent à Badr, à leur malheur et à leur mort jetée dans le fossé. Alors, le chagrin et la détresse s'emparèrent d'eux. Et c'est alors que Umayr ibn Wahab, dont un fils était retenu prisonnier par le prophète, alayhi salatu wasalam, dit à Safwan, « Si je n'avais pas une dette à payer et une famille pour laquelle je crains la pauvreté après moi, je serais allé tuer Mohammed. » Et Safwan répondit, « Quant à ta dette, je m'en charge, je la réglerai. Et quant à ta famille, elle sera avec la mienne, j'en prendrai soin. » Alors, Umayr ibn Wahab rentra chez lui, fit aiguiser son épée et l'enduisit de poison. Puis, il enfourcha sa monture et se dirigea en direction de Médine, la ville du prophète, alayhi salatu wassalam. Il se dépêcha, prêt à tuer le messager d'Allah. Quand il arriva à Médine et qu'il se présenta à la mosquée, Umar ibn al-Khattab le vit et dit, « C'est l'ennemi d'Allah, Umayr ibn Wahab, par Allah. » Il n'est venu que pour accomplir un mal. Omar l'attrapa, alla auprès du prophète et dit, « L'ennemi d'Allah, Umayl ibn Wahab, est venu avec son épée. » Le prophète dit à Omar, « Fais-le entrer, oh Omar. » Omar demanda à certains Ansar de se mettre près du messager d'Allah pour le protéger au cas où Umayr tentait quoi que ce soit de mal. Omar entra, empoigna Umayl ibn Wahab, dont l'épée était en bandoulière. Le prophète dit à Omar, « Lâche-le, oh Omar, lâche-le, oh Omar. » Alors, Umar ibn Khattab lâcha et Umayl se présenta et dit « En'im sabahan » qui veut dire bonjour. Le prophète lui dit « Allah nous a appris une salutation bien meilleure que celle-ci, le salam, la salutation des gens du paradis. » Puis le prophète l'interrogea « Que fais-tu avec ton épée, ô Umayr ?» Il répondit « Que valent nos épées? Qu'ont-elles fait pour nous à Badr, ô Muhammad ?» Le prophète lui demanda « Qu'est-ce qui t'a fait venir, ô Umayr ?» Je suis venu pour mon fils. Je suis là pour te demander de le traiter avec égard. » Et le prophète lui dit alors, « Est-ce là tout ce que tu veux ?»« Oui, » dit Umayr. « Non. Plutôt toi et Safwan ibn Umayya, vous vous êtes assis près de la Kaaba pour remémorer les vôtres, morts à Badr et jetés dans le fossé. Puis tu lui as dit, « Si ce n'était ma dette et mes enfants, je serais parti tuer Mohammed. » Et Safwan a promis alors de prendre en charge tout cela. Quand Umayr entendit cela, il dit, « J'atteste que tu es le messager d'Allah. Par Allah, personne ne savait cela à part Safwan et moi. Nous traitions de mensonge ce que tu nous rapportais du ciel. Mais maintenant, je ne rejette rien. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et j'atteste que tu es le messager d'Allah. » Alors le prophète ordonna à ses compagnons de lui enseigner la religion. Il était venu tuer le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mais il devint musulman et apprit sa religion. Puis il retourna avec son fils à la Mecque et il appela les gens à revenir à Allah. Il était venu tuer le prophète, et il repartit appeler les gens à rejoindre le prophète ainsi que l'islam. Et c'est ainsi qu'Allah déjoue les stratagèmes de ceux qui ont comploté contre son prophète.
Banu Qaynuqa, la pire tribu juive vivant à proximité du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand ils virent ce qui était arrivé à Badr, la manière dont Allah avait donné la victoire à son prophète, leur haine et leur rancune vis-à-vis du messager d'Allah augmenta. Parmi eux vivait un homme appelé Shays ibn Qais. C'était un homme âgé, très mauvais et rempli d'amertume envers le messager d'Allah et envers ses compagnons. Cet homme envoya un jeune s'asseoir au milieu des Ansar, lui demandant de leur rappeler leur guerre intestinale du passé, ainsi que d'un jour qu'ils appelaient Bu'ath. C'était l'habitude des Juifs que de semer la discorde parmi les croyants, avec la devise bien connue, diviser pour mieux régner. Le jeune s'assit donc au milieu des Ansar, entre les Haus et les Khazraj. Il récitait des poèmes de guerre passée. Il leur rappelait cette époque de tension, cette époque de guerre intestine. Les Haus et les Khazraj parlèrent, les uns répondirent aux autres, et les tensions montèrent. Ils se rappelèrent cette époque de guerre avant l'islam. Et l'un dit à l'autre, « Si vous le voulez, nous pouvons remettre cette guerre une nouvelle fois. » C'est alors qu'ils se donnèrent rendez-vous en un lieu et allèrent prendre leurs armes. Ils allaient au combat, les Haus et les Khazraj. Oui, à cause de qui ? Des Banu Qaynuqa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, apprit qu'ils voulaient s'entretuer. Il vint alors à eux et dit, « Ô musulmans, retournez-vous à vos habitudes de la jahiliya, alors que je suis parmi vous. Après qu'Allah vous ait gratifié de l'islam et qu'il ait uni vos cœurs, vous voulez retourner à l'époque de l'ignorance ?» Ainsi agissaient les Banu Qaynuqa. Leur cœur mauvais répandait le venin entre les croyants. Ils répandaient le venin entre les croyants. Quand ils virent la victoire d'Allah, le puissant, le majestueux, à Badr, ils dirent, « Ô Mohammed, ne t'illusionne pas d'avoir tué un groupe de Quraysh. C'était des inexpérimentés en matière de combat. Si tu nous affrontais, tu saurais alors que nous, nous sommes des hommes. » Comme s'ils les menaçaient d'une guerre. Le prophète leur dit, « Soumettez-vous, avant que ne vous arrive ce qui leur est arrivé. » Et le Seigneur, le puissant, le majestueux, révéla, ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. C'est-à-dire à Badr, vous avez vu ce qu'il s'est passé, vous avez vu comment Allah est avec ses serviteurs. Mais les Banu Qaynuqa n'avaient pas su comprendre. Ils n'ont pas su comprendre et regarder ce qu'ils firent. Les Banu Qaynuqa étaient des marchands réputés. Ils vendaient de l'or, ils vendaient des bijoux et ils forgèrent des armes. Ils comptaient parmi eux 700 combattants, 700 guerriers. Un jour, une femme vint pour faire un achat chez un bijoutier. Elle rentra dans la bijouterie et lui demandèrent de découvrir son visage. Mais elle refusa. Ils voulurent la forcer, mais elle ne se laissa pas faire. C'était une femme chaste. Un homme vint alors par derrière et lui arracha ses vêtements. Lorsqu'elle se leva, ses parties intimes furent dévoilées. Ils se mirent alors à rire et à se moquer d'elle. C'est alors qu'un musulman, pris de colère, frappa le bijoutier et il le tua. Les Juifs sautèrent sur cet homme et le tuèrent, car il avait sauvé l'honneur de cette femme. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, fut informé de cette action, il annonça à ses compagnons que le pacte conclu avec les Banu Qaynuqa ne tenait plus. Il n'y avait plus de pacte. Un peuple mauvais. Aucun pacte entre eux et nous. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se fit remplacer à Médine par Abu Lubaba. Il donna l'étendard à Hamza et tous se dirigèrent vers la forteresse des Banu Qaynuqa et ils les assiégèrent. Où sont vos combattants? Où sont vos hommes? Où sont vos armes? Effrayés, ils s'étaient cachés et le prophète les assiégea pendant 15 jours. Allah avait jeté l'effroi dans leur cœur et après 15 jours, ils se rendirent au prophète, alayhi salatu wassalam. Ils se rendirent et ils ne purent combattre ne serait-ce qu'une journée. Ils se rendirent tous. Ils furent tous ligotés. Et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, voulut donner son jugement, Abdullah ibn Ubay ibn Salul intervint et dit, « Veux-tu tuer mes alliés? 400 hommes armés et 300 en armure. Veux-tu les tuer en une seule matinée? Je crains le revers de fortune. Laisse-les-moi. Laisse-les-moi, pardonne-leur, ô messager d'Allah. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, se détournait de lui. Abdullah ibn Ubay s'était converti depuis peu, cela faisait tout juste un mois.
Et le prophète finit par accepter son intercession, dans l'espoir que cela l'aide à parfaire sa conversion à l'islam. Il leur pardonna donc et leur ordonna de quitter Médine. Ils partirent tous, expulsés, pour la région d'Ezra'at, en Syrie, le Shams. Et la plupart des Banu Qaynuqa finirent par disparaître. Ka'b ibn al-Ashraf, un des hommes parmi les juifs les plus hostiles aux messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam, et aux musulmans. Il était un grand poète, et à travers sa poésie, il insultait les musulmans et aiguisait l'hostilité des gens à leur égard. Quand il apprit la victoire des musulmans à Badr, sa haine augmenta. Il dit, « Ceux-là, en parlant des Quraychites, sont les rois et les notables des Arabes. Par Allah, si cela est vrai, mieux vaut être sous terre que sur terre. » Il partit alors à la Mecque pour attiser la haine en leur remémorant leur mort. Il les encouragea à se venger des musulmans. Il porta ainsi atteinte à Allah et à son messager. Même les femmes musulmanes ne furent pas épargnées par ses poèmes licencieux. Un jour, le prophète dit au milieu de ses compagnons, « Qui va s'occuper de Ka'b ibn al-Ashraf ?» Mohammed ibn Maslama répondit, « Moi, ô messager d'Allah, me permets-tu de le tuer ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui répondit, « Oui. » Il demanda, « Puis-je lui parler avant de le tuer ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, « Oui. » Mohammed ibn Maslama partit alors, et avec lui, une faction de musulmans, des cavaliers, dont Abad ibn Bishr et Abu Na'ila. Mohammed ibn Maslama était quelqu'un de rusé. Il alla voir Ka'ab ibn al-Ashraf pour le tuer. Il alla voir avec l'intention de le tuer. Et il lui dit, « Oh Ka'ab, notre ami, en voulant parler du prophète, nous en demande trop en termes d'aumône. » Il voulait lui faire croire qu'il était mis en difficulté par les lois de l'islam. C'était une tromperie. La guerre est tromperie. Il lui dit, « Que dirais-tu de nous prêter une ou deux charges de blé ou de dattes ?» Ka'ab ibn al-Ashraf lui dit, « Me donneriez-vous vos épouses en gage ?» Il répondit, « Comment mettrions-nous nos femmes en gage alors que tu es le plus beau des Arabes ?» Ka'ab dit, « Alors donnez-nous vos fils. Comment pourrions-nous te donner nos fils en gage ? On pourrait se moquer d'eux pour avoir été donné en gage pour deux pesées, de blé ou de dattes. » Ka'ab dit, « Que me donneriez-vous en gage ? Nous mettons en gage nos armes. » Ka'ab accepta. Abu Na'ila se présenta à son tour à lui et lui tint, à quelques détails près, le même discours que celui que Mohammed ibn Maslama. Il fit confiance aux deux. Puis arriva leur hache. Lors d'une nuit éclairée par la lune, une nuit durant laquelle le prophète, alayhi salatu wassalam, fit ses adieux à cette faction. Il partait vers un homme protégé, un des nobles de la communauté juive, un homme entouré d'armes, de gardes et siégeant dans une forteresse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur fit ses adieux et les accompagna jusqu'à Baki el-Gharqad. Puis il leur dit, « Partez au nom d'Allah et implorez l'aide d'Allah. » Quand le commando fut parti, le prophète, alayhi salatu wassalam, se retira pour prier la nuit et invoquer Allah pour ses compagnons. Le groupe arriva près de la demeure de Ka'ab et Abu Na'ila cria de toutes ses forces, « Oh Ka'ab ibn al-Ashraf ! Oh Ka'ab ibn al-Ashraf !» Il dit, « Qui appelle ?»« C'est moi, Abu Na'ila. » Sa femme lui dit alors, « Fais attention, que veux-tu faire ? Je vais le voir. » Sa femme inquiète lui répondit, « J'entends là la voix d'un meurtrier. Ne t'inquiète pas, c'est mon ami Abu Na'ila et avec lui mon autre ami, Mohammed ibn Maslama. » Ka'ab ibn al-Ashraf leur faisait confiance. Il alla donc à leur rencontre. Abu Na'ila dit à ses compagnons, « Ne tentez rien tant que je ne l'aurai pas immobilisé par sa tête. » Ka'ab marcha avec eux dans cette nuit éclairée par la lune, jusqu'à ce qu'il se soit éloigné de la forteresse et qu'il se soit engagé sur une route isolée. Abu Na'ila dit à Ka'ab ibn al-Ashraf, « Quelle belle odeur que celle qui émane de toi !»« Oui, c'est le meilleur parfum. » L'autre dit, « Me permets-tu de le sentir ?»« Oui. » Après que Abu Na'ila ait senti l'odeur, il lui dit, «
C'est vraiment une belle odeur. Un peu plus tard, il lui redemanda, « Me permets-tu de la sentir à nouveau ?» Ka'ab dit, « Oui. » Abu Na'ila mit sa main dans ses cheveux pour la sentir, et à la troisième fois, il prit sa tête et donna le feu vert au commando. Ils sautèrent sur lui, le tuèrent et coupèrent sa tête, lui, l'ennemi d'Allah et de son messager. Avant qu'il ne meure, Ka'ab poussa un cri que toute la tribu entendit. Ils allumèrent alors leurs torches et se précipitèrent vers l'endroit. Et un des compagnons fut blessé par un autre membre du commando. Ils accourèrent vers le messager d'Allah et le prophète les attendait. Et il les vit au loin crier « Allah est le plus grand, Allahu Akbar ». Quand le prophète les entendit, il proclama également la grandeur d'Allah et dit « Allahu Akbar, les visages sont détendus ». Ils dirent « Ton visage aussi, ô messager d'Allah ». Le prophète regarda la blessure du compagnon, il invoqua et passa sa main sur la blessure, et elle guérit comme si elle n'avait jamais existé. Toutes les tribus juives en furent informées. Elles surent que désormais, quiconque porterait atteinte à Allah et à son messager subira le même sort. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Quant à Quraysh, Quraysh souffrait et brûlait de haine en pensant aux morts de Badr. La tribu s'était interdite de pleurer pour augmenter sa douleur et ainsi ressentir le besoin de vengeance. Les plus déterminés étaient Ikrima ibn Abu Jahl, car son père avait été tué, et Safwan ibn Umayya, car son père et son frère y avaient été tués, et Abu Sufyan ibn Harb, ainsi que tant d'autres parmi les polythéistes. Ils incitaient les gens à venger les morts de Badr. Ils vendirent la caravane qui avait échappé au combat à Badr sous le commandement d'Abu Sufyan. Ils vendirent la caravane afin de financer l'expédition punitive visant à tuer Mohammed et ses compagnons. La caravane comptait 1000 chameaux et des biens, le tout estimé à 50 000 dinars. La totalité des fonds fut dépensée pour préparer une armée qui allait combattre le prophète et ses compagnons. Et Allah révéla à leur sujet. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Ils envoyèrent leurs poètes. Ils envoyèrent leurs poètes dans des tribus arabes pour leur insuffler l'envie de combattre et de se venger. Les poètes parmi les Arabes savaient comment s'y prendre. Se réunir à la Mecque, un nombre avoisinant les 3000 combattants. 3000 combattants et chacun d'eux désirait combattre le prophète, et ses compagnons. Ils débordaient de haine et demandaient à en finir. Ils avaient également réuni une caravane de 3000 chameaux, tous chargés, 200 cavaliers et 700 armures. Tous pour tuer le prophète, pour combattre Mohammed et ses compagnons. Et effectivement, cette grande armée, dirigée par Abu Sufyan ibn Harb, prit le chemin du combat, avec à la tête des cavaliers Khalid ibn al-Walid et avec lui Ikrima ibn Abu Jahl. L'armée partit en direction de Médine pour combattre le messager, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons. Al-Abbas, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, qui avait dissimulé sa foi, en fut informé, et il envoya donc un émissaire au messager pour le prévenir que l'armée mécoise se mettait en marche, que l'armée mécoise était en direction de Médine. L'émissaire arriva, trouva le prophète dans la mosquée de Quba, et lui donna la lettre de son oncle, Al-Abbas ibn Abdel Muttalib. L'émissaire envoyé par Al-Abbas était arrivé à Médine. Et il a été envoyé dans le but d'informer le prophète, alayhi salatu wassalam, de l'intention de Quraysh de combattre le prophète et ses compagnons. Le prophète, alayhi salatu wassalam, réunit certains de ses compagnons pour les informer de la situation. Médine était en état d'alerte générale. Une garde se mit en place de nuit pour protéger le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle était composée de Sa'ad ibn Ubada, Sa'ad ibn Mu'adh, Uzaid ibn Udayr et d'autres compagnons pour veiller sur le prophète toutes les nuits.
Des patrouilles étaient organisées pour surveiller les routes et se tenir informés des mouvements de Quraysh. À la Mecque, c'était l'état d'urgence. Les gens étaient prêts. Ils ne dormaient pas sans leurs armes et attendaient les informations. Petit à petit, l'armée mécoise approchait de Médine, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à El Ebwa, là où la mère du prophète, alayhi salatu wassalam, Amina, était décédée. Quand Hind bin Utba, la femme d'Abu Sofiane, le sut, elle voulut déterrer le corps de la mère du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle voulut déterrer son corps. Mais les nobles de Quraysh l'en dissuadèrent, car cela risquait de devenir une habitude chez les Arabes. L'armée mécoise s'approcha jusqu'à arriver près du mont Uhud, et elle y campa. Les sentinelles en informèrent le prophète, alayhi salatu wassalam. Celui-ci convoqua alors un conseil militaire, regroupant certains compagnons, afin de les consulter, sur ce sujet. Il leur dit « J'ai vu en rêve une vache égorgée, une cassure sur mon épée, et je me suis vu mettant mes mains dans une cuirasse invulnérable. » Ils dirent « Comment l'interprètes-tu, ô messager d'Allah ?» Il dit « Quant à la vache abattue, elle fait référence à un groupe de mes compagnons qui sera tué. Quant à la fissure sur mon épée, cela signifie qu'un des membres de ma famille sera touché. » Ils dirent « Et la cuirasse invulnérable, c'est Médine. » Le prophète leur recommanda de ne pas quitter Médine, d'y rester pour se protéger et y combattre leur ennemi. Ceux qui n'avaient pas participé à Badr et qui en éprouvaient un regret dirent « Ô messager d'Allah, nous espérions qu'Allah nous donne une telle occasion. Allons-nous nous en détourner maintenant ? Par Allah, nous irons à leur rencontre. » Hamza, qu'Allah l'agrée, vint et dit « Ô messager d'Allah, nous irons à leur rencontre, les armes à la main, pour les combattre. » La plupart des compagnons voulaient sortir pour combattre les polythéistes à l'extérieur de Médine, et le prophète, alayhi salatu wassalam, accepta leur requête. Il dirigea la prière du vendredi, durant laquelle il prépara et encouragea les musulmans au djihad. Lors de la prière d'El Asr, les mujahidin se rassemblèrent tous prêts à combattre. Le prophète rentra chez lui et enfila son armure. Quand il sortit, les Ansar vinrent s'excuser auprès du messager, parce qu'ils n'avaient pas suivi son avis, qui était de rester à Médine. Il dit « Il ne convient pas à un prophète déjà revêtu de sa cuirasse de la retirer avant qu'Allah ne le départage de son ennemi. » L'armée se divisa en trois. Les Muhajirin, dont le porte-drapeau était Mus'ab ibn Umayr, les Haus, dont le porte-drapeau était Usayd ibn Udayr, et les Khazraj, dont le porte-drapeau était El-Ubeb ibn El-Mundhir. Et l'armée musulmane se mit en route, ne recherchant que l'agrément d'Allah et le paradis. L'armée musulmane se mit en route. Une armée composée de 1000 soldats, des soldats armés et en armure. Ils désiraient combattre dans le sentier d'Allah. Des jeunes vinrent dans l'espoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, les autorise à participer à la bataille. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, refusa à cause de leur jeune âge. Mis à part pour Rafi ibn Khadij et Samura ibn Jundub, c'étaient deux compagnons qui voulurent aller combattre avec le prophète, alayhi salatu wassalam, mais le prophète n'accepta pas, toujours en raison de leur jeune âge. Alors Rafi'i dit « Ô messager d'Allah, je suis un archer habile, je peux lancer mes flèches et toucher l'ennemi. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, décida de les tester, et il vit son habileté au tir et l'autorisa ainsi à combattre. Samura dit alors « Et moi, ô messager d'Allah ? » Le prophète lui dit, « Lui est un archer. » Samura rétorqua, « Et moi je suis plus fort que lui. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, les compara alors et trouva que Samura était fort, bien bâti et prêt au combat. Alors il, alayhi salatu wassalam, l'autorisa à participer à la bataille. Il autorisa deux des plus jeunes combattants dans le sentier d'Allah. L'armée de 1000 soldats se mit en route, et pendant leur marche, ils virent un groupe armé.
un groupe armé qui voulut se rallier à eux. Le prophète, alayhi salat wa salam, demanda « Qui sont-ils ?» Ils répondirent « Ce sont des juifs, les alliés de Khazraj, qui veulent combattre avec eux. » Le prophète, alayhi salat wa salam, dit « Sont-ils devenus musulmans ?» Les compagnons répondirent « Non, ô messager d'Allah. » Alors il dit « Allah se passera d'eux. Nous ne nous ferons pas aider par des polythéistes, c'est-à-dire pas tant qu'ils ne seront pas devenus musulmans. » Alors, les compagnons s'excusèrent auprès d'eux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, voulait un bataillon croyant en un monothéisme pur, et c'est ce bataillon-là qui allait combattre à ses côtés dans le sentier d'Allah. L'armée se mit en route et s'approcha de l'armée mécoise. Sur le chemin, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie, commença à semer le doute. Il sema le doute et le trouble dans les rangs. Il commença à convaincre ses amis de faire demi-tour. C'est alors qu'il dit au prophète « Je rentre et, avec moi, viendra qui voudra. » Il partit alors avec le tiers de l'armée. Tous décidèrent de se retirer. 300 combattants, avec la tête de l'hypocrisie, firent défection. Ils firent machine arrière. Que leur était-il arrivé? C'est l'hypocrisie lorsqu'elle atteint le cœur. Au point où deux groupes, un groupe de la tribu des Haus et un autre de la tribu des Khazraj, étaient à deux doigts de se retirer avec les hypocrites, si Allah ne les avait pas raffermis. Allah les raffermit. Il les raffermit, et de l'armée de 1000 soldats, il n'en resta que 700. Quelle affaire compliquée. L'armée musulmane continua son avancée, et elle passa devant le mur d'un des hypocrites. Abdullah ibn Ubay avait convaincu les hypocrites de faire défection. L'armée se divisa et passa devant le mur de l'hypocrite. L'hypocrite, à qui appartenait le mur, leur lança de la terre en disant « Je ne vous permets pas de pénétrer dans l'enceinte de mes murs. » Les hypocrites commencèrent à relever leur tête. Les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, devons-nous le tuer ?» Il leur dit « Laissez-le, il est aveugle de par ses yeux et son cœur. » Abdullah ibn Haram, qu'Allah l'agréé, poursuivit les hypocrites, notamment Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il les poursuivit en leur criant « Oh Abdullah, que fais-tu? Oh gens, que faites-vous? Venez combattre dans le sentier d'Allah, ou au moins, venez nous défendre. » Abdullah ibn Ubay ibn Saloul dit à Abdullah ibn Haram « Nous vous suivrions si nous savions qu'un vrai combat allait s'engager, mais nous savons qu'il n'y en aura pas. » En réalité, il cherchait une excuse pour fuir le combat, car il vit la mort de ses propres yeux. C'est ainsi que l'armée musulmane s'assainit. Les hypocrites étaient tous partis. Il restait 700 soldats. Mais ils étaient sincères. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, arriva dans une zone près du mont Uhud, il prépara l'armée et il disposa les musulmans en ordre de combat. Il prit 50 archers et les mit sur une montagne avec Abdullah ibn Jubayr comme chef. Il leur dit « Veillez à ne quitter votre position sous aucun prétexte, quoi qu'il arrive. Si vous voyez que l'oiseau nous enlève, que nous sommes tués, ne bougez pas de votre place. Et si vous nous voyez mettre en déroute, écraser l'ennemi et ramasser le butin, ne bougez pas jusqu'à ce que j'envoie quelqu'un auprès de vous. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, les avait mis en garde contre cela, contre le fait de quitter cette montagne, car il protégeait le dos des musulmans. Puis il divisa l'armée. À la droite, avec à sa tête Al-Mundhir ibn Amr, et à gauche, avec à sa tête Az-Zubayr ibn Al-Awwam. Et il mit les plus courageux en tête des troupes, pour qu'ils protègent les musulmans. Le nombre de musulmans était inférieur à celui des polythéistes. Ils avaient moins d'armes, ils avaient moins de préparation. Mais leur foi était bien supérieure. Et c'est ainsi que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait disposé son armée pour le combat contre les polythéistes.
الأنصار حشد المنتقم أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال بلغ الأمر النبي عندها عبأ الجيش وهيأ الرجال أمر الرماة أن لا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال التقى الجيشان والنصر بدا مثل بدر الليل ساعة. Avant le combat, le prophète, alayhi salatu wassalam, encouragea les compagnons. Puis, il prit une épée, la brandit et dit à ses compagnons : Qui va prendre cette épée ? Les compagnons dirent : Nous la prendrons. Alors il dit : Qui veut la prendre en lui donnant son droit ? Les gens se tuent, à l'exception des plus valeureux d'entre eux comme Ali, Omar et Zubayr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, redemanda : Qui veut prendre cette épée en lui donnant son droit ? Abu Dujana dit « Et quel est son droit, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Que tu frappes avec elle la tête de l'ennemi jusqu'à ce qu'elle s'émousse. » Abu Dujana dit alors « Moi, je veux la prendre, ô messager d'Allah. » Le prophète lui donna alors. Abu Dujana mit sur sa tête un turban rouge et commença à se pavaner entre les rangs, l'épée du messager, alayhi salatu wassalam, à la main. Alors qu'il se pavanait, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Voilà une démarche qui est détestée par Allah, sauf dans ce contexte. » De l'autre côté, il y avait Abu Sufyan ibn Harb. Il organisait son armée. Il était le général dans cette bataille. Il mit à droite Khalid ibn al-Walid, à gauche Ikrima ibn Abu Jahl et Safwan ibn Umayya dirigeaient l'infanterie. Et le plus étrange, c'est que ces quatre-là devinrent plus tard musulmans. Il mobilisa l'armée, donna les étendards et les groupes, puis Abu Sufyan essaya de déstabiliser les troupes musulmanes. En s'adressant aux Ansar, il dit « Ô gens, laissez-nous avec notre cousin, nous ne gagnerons rien à vous combattre. » Il voulait les désunir. Mais les Ansar lui firent une telle réponse qu'ils lui clouèrent le bec. Alors Abu Amir, le pervers, s'avança. Il était de la tribu des Aous, mais il avait rejoint les polythéistes. Il alla vers son peuple et dit « « Oh, Aous, c'est moi, Abu Amir. » Auparavant, il était obéi auprès d'eux. Ils dirent, « Allah t'a privé de ses bienfaits. Qu'Allah t'en les dise, pervers. » Il dit, « Quelque chose a perverti ma tribu en mon absence. » Puis il retourna chez les polythéistes. Ils voulurent désunir les rangs musulmans, mais ils n'y sont pas parvenus. L'armée polythéiste se mobilisa, elle qui était composée de 3000 combattants. La bataille allait débuter. Le combat allait commencer et chacun des deux camps voulait être victorieux. Mais Allah, Allah est avec les croyants. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum.